Salut tout le monde. Aujourd'hui, on est réunis, donc je vous présente Katia, ma sœur. Coucou. Clara, ma fiancée. Comme vous l'avez vu dans le titre, qui est-ce qui me connaît le mieux? Ma sœur ou ma copine, ma compagne, ma fiancée? Copine, je sais pas. On a déjà dépassé ce stade. Je vais poser des questions, les réponses notées, donc il n'y aura pas de triche. C'est simple, elles ont chacun un buzzer. Je suis grave gaise d'avoir acheté ça. Voilà. Il est Le premier qui appuie sur le buzzer, c'est celui qui répond. Et il n'y a pas d'on appuie sur le buzzer pour appuyer sur le buzzer parce que toi, je te vois venir. On commence parce que ouais. Lina, elle aime pas quand on parle trop. Première question. De quoi je suis allergique? Au chat. Stop. Première réponse de Clara, c'était quoi? Chat. Des chats. Faux. J'avais noté crevette parce que c'est ma première vraie allergie. Et une vraie allergie que j'ai, c'est la crevette. Katia, 1. Clara, 0. Clara, hein, je te demande en fiance, tu as intérêt à avoir un bon score quand même. Hein. Ok, deuxième question. Allez. Alors là, il faut être un peu malin. La maison brûle. Je sauve ma chicha ou mon projecteur? Chicha. Projecteur. J'ai hésité. En ce moment, je suis moins à chicha. Mais donc, oui, Katia. Mais comme j'ai pesé, je me suis dit. Putain, là, t'aurais pu prendre une marge d'erreur. Troisième question. Ah, celle-là, elle est pas facile. Hein. J'ai eu une déchirure. Quel était le muscle? Le trou du pied. Mais j'ai eu une déchirure au trou de pas, de quoi? Des fois, j'ai des petits soucis, mais c'est pas ça. Un jour, j'étais en béquille. C'est quoi cette info en béquille? Si, je suis allé à l'hôpital à Haguenau avec Anne. Même ta merci mère, elle m'avoir emmené. Ouais, c'est honteux, maman, tu te souviens pas? Ligament croisé. Oh, t'es sérieux ou quoi? Mais on. Mais t'as inventé une vie, là. Du mollet, j'ai une déchirure du mollet. Mais oui, déchirure du mollet, te rappelle pas, je t'ai réveillé à 3h du matin, maman appelle le SAMU et tout. Elle a appelé? Mais non, elle a dit, tu fais ma gueule ou quoi? Attention, okay. Là, c'est question rapidité. Hein. Quelle est ma série référence? Prescott. T'es sérieux ça ou quoi? Bien joué. Oui, j'ai peur en plus. 2-1 pour Katia. On est chaud. Quelle est la chose dont je suis le plus fier? Oh putain. Marathon? Mais sérieux? T'es sérieuse ou quoi? Je t'ai fait. On s'est disputé parce que tu mettais pas ma médaille sur le bureau. Ah ouais, mais moi je croyais que c'était des études, t'es à licence. Mais j'ai hésité. Ouais, mais les études, vas-y, tout le monde fait des études, y'a pas tout le monde qui fait des marathons. Ouais, mais y'a pas tout le monde qui s'arrête, qui reprend, qui réarrête, qui re-reprend. Oh merde, elle est en train de te fumer là à 3-1. Ouais, non, je suis à 3-1, mais j'espère avoir 4-1 bientôt. Quel est mon film préféré? Film, hein, c'est déjà chaud. Le film où Matthew McGonagall il a sida là. Ah ouais? Ah pas du tout. Okay. Mais Matthew McGonagall, mais bien joué parce que c'est son acteur préféré. Mais. J'ai pas dit, moi j'ai dit à volonté PS I Love You. N'oublie jamais. Mais sûrement ta actuelle avec cette. Twilight. Non, c'est la Twilight. Parce un acteur noir. Français ou américain? Américain. Kuju. Kuju. Oh putain, j'en ai un. Attends, c'est quoi son truc Kuju? Giant Q. Tu savais qu'il y avait un. Cette vie. Oh putain! On est à 4-1 là, hein. Rien n'est perdu. Ah, mais je suis gentille, c'est ma belle-sœur. Quel est, et Dieu sait qu'il y en a eu beaucoup, le pire travail que j'ai fait? L'abattoir. Ah, bien joué. T'allais dire quoi, toi? Les trois semaines à l'abattoir à toucher de la viande sanglante. Bien joué, Clara. 4-2. Attention, Katia, ouais. Ça peut aller vite. Hein. Remontada. Quelle est l'application que j'utilise le plus? Facebook, parce que t'es en chelouse. T'aurais dit Insta, toi. Hein. J'allais dire. Cas où les gens qui aiment Facebook et qu'elle a traité de loser, on est de la même team, vous inquiétez pas. Vieux et en fait, j'étais persuadé que c'était Insta, mais en fait, je suis allé voir et genre vraiment, je suis 2 heures de mais Clara, c'est TikTok. Ah ouais. Oh merde, 4-3, hein. Elle est remontée. Non, mais c'est bon. Remontada. Remontada. Moi, je suis une meuf de course de fond. Le surnom que j'ai détesté. 50 centimes. Ouais. Ah. Et je te l'ai dit. Je connais, mais à moi je me disais, attends, t'as le surnom d'une meuf, d'une ex, donc là je me disais, tu veux qu'on s'embrouille tout de suite? Quelle est, attention, soyez prêts, hein, ma saga préférée? Twilight. Loupé. Bah Harry Potter alors. Harry Potter devant Twilight. Non mais j'adore Twilight, non. On a déjà eu un débat la dernière fois. Tu m'as dit, non, ça peut pas être pareil, nanani. Non mais ouais, Marie. Tu veux aller payer $500 la nuit pour aller dormir dans la maison de Bella et tu me dis que ça passe bon, avant. Il n'a pas dit qu'il n'aimait pas. Bon, vas-y, bref. 5-3. Eh ouais. Allez, reprends de l'avance. Attention, Clara. 6-3. Tu vas te porter l'œil toute seule. Alors, quelle est ma fête préférée? Noël. Attends, c'est qui son la première? Son anniversaire. Attendez, c'est moi. Faux. Quoi? J'ai dit Noël, moi. Faut les deux. Halloween. Ouais. Ah ouais. Mais franchement, fête, de base je voulais dire à mon anniversaire, mais je me rappelle que j'ai pas des anniversaires qui m'ont marqué. Oui, tu m'as dit. Donc encore du coup le Halloween, dernier. Donc. Putain, j'ai bien les nerfs. Ouais, parce mais que là, putain. Comment on peut préférer Halloween à Noël? N'importe quoi. Oh, ah, celle-là elle est dure. 5-4, putain. Ouais. Ah, c'est serré. Ah, mais 16 ans. Je voulais un tatouage. Quelle partie du corps? Le bras. Le pec. Non,
Rappelez-vous, hein, 16 ans, il y a à peu près 11 ans. Oh, tu... Oh, oh, t'as besoin de faire comme ça. Hein. 16 ans, maths, pokora, tout ça, quelque part ici. Ah, bien joué. Oh, oui, mais ça, je... tu m'as jamais dit. Oh, mais si. Tu m'as jamais dit mais ça, si. Parce que sinon j'aurais retenu que t'avais été un casso à 16 ans. Franchement, il y avait le coup et j'avais une hésitation avec le signe du Portugal sur le pec. Heureusement, j'ai pas fait ça. Et si quelqu'un est là, je suis désolé pour vous, mais tu aurais pas dû. Et donc 6-4. Ouais. Aïe. Oui. On est à la question. Ah, celle-là, attention. Ah, mais c'est. Non, pardon, j'aurais dû à la question. Je ferais gagner. Avec qui, pour la première fois, tu m'as fait rouler en voiture? Roberto. Faux. Césaire. Putain, papa. Faux. Ta mère. Faux. Attends, on va se concentrer. Hermine. Carla. Faux. Beta. Voilà, Beta, si tu nous écoutes et si tu comprends. Et si tu comprends. Bisous. Césaire, je crois que c'était en scooter. Ouais, c'est ça. Par contre, tu refais plus jamais des questions genre avec qui première fois tout ça parce que tu veux pas tomber. Moi aussi, j'ai peur. Je sais, c'est pas possible, il l'a pas fait parce que j'ai connu la réponse. Hein. Alors. Pardon, excusez-moi. T'es trop excité, toi. Attention. J'ai une flexion. T'as la rêve? Non du tout, mais c'est pas quand Joey prend ses shorts et après il dit. Ah, genuflexion, ouais, c'est vrai, putain. Ok, question suivante, ça va aller. Clara, vas-y, s'il te plaît, tu vas me. Ah non, 6-5, 6-5. Non, oui, c'est bon, remets pas le coup de toi. Si, parce que. Et à tout moment, Clara peut passer devant. Quel est mon/ma, youtubeur préféré? Mais la situation. Ah ouais, putain, j'aurais pu savoir. Ouais, tu vois, c'est pour ça que je te disais. Allez, 6-6. Okay. Ah, 6-6, 4-4. Chier, on repart à 0 là. Mais KO, je me défends. Vous êtes toutes les deux capables. Ok. Quel est, mesdames et messieurs, Clara, Katia, mon plus gros complexe? Tes cheveux, ta calvasse. Faux. Ton ventre. C'était la plus à toi de répondre. T'avais plus les droits. Et t'aurais dit le ventre, très honnêtement. Très honnêtement, t'allais dire le front. J'ai une autre réponse. Ton trou de dents. Mais non, mais elle est con, quoi. Vas-y, là, mais maintenant t'as répondu, je suis désolé, hein. Vas-y, réponds. Attends. Ça compte ça, ça compte. Attendez. Pause. Tu as dit dans un premier temps la calvasse. Tu vas arrêter de faire ça avec la calvasse. Ok, faux. Toi, après, t'as dit. Bah, le front, mais là, c'est quoi ça? J'aurais pu m'y tenir. Mais c'est pas le front. Et ensuite, toi, t'as dit un autre truc. J'ai dit le ventre. Mais tu l'as dit pendant la première réponse. Tu l'as dit pendant la première. T'as, t'as dit la calvasse, le front. Ah, le ventre. Dit le front. Non, elle a dit calvasse. Non, t'as dit la calvasse, le front. Elle a dit calvasse et le ventre. Et alors, tu m'as dit, Katia, sincèrement, qu'est-ce que t'allais dire? J'allais dire front. C'est pas le front. Moi, j'ai dit ton trou dedans. Et après, elle a dit trou dedans. Oh, attendez. Là, vous êtes en train de me gêner. De ouf, là, comment ça? Il y a tellement de trucs à changer là. Alors du coup, moi ce que je veux dire, c'est que toi le premier truc c'est que t'as dit la calvasse et t'as enchaîné avec le ventre. Oui. Et ta première réponse c'était la calvasse. Ouais, mais... Toi ensuite, toi malheureusement, t'as dit le front. Voilà, et ensuite toi t'as enchaîné la troisième et t'as dit le trou dedans. Mais donc du coup, ça passe à Katia et c'était le ventre. Mais non, mais ça c'est de la triche. Mais c'est vrai, ouais, vous êtes vraiment des bouffons, non, c'est de la triche parce que l'inverse, bah, attends, jamais fait ça. Hein. Tu... Eh vas-y, continue, mets-lui son septième point. Non mais attendez, non mais je veux juste qu'on soit d'accord. On a énoncé les règles de base initialement dans le déroulé. Mais de base. On a dit chacun répond, chacun son tour. Mais oui, c'est chacun son tour. Réponse, attends. Bah ouais, mais si là, toi tu dis que la réponse ouais, elle est juste après. Mais tu fais comme ça. Mais alors attends, alors tu veux gagner, t'as déjà fait comme ça. Le front, la calvasse, le trou de nez. Mais non, mais alors. On annule le point ou pas? Ouais. On annule. Non, c'est 6-6 malheureusement. Attention, monsieur. Quel est mon dessert préféré? Le pudding avec le caramel du Portugal. Avec le petit chinois dessus. Ok. Le petit flan du pudding. Faux. Katia, attention. Ah, je sais. Tu peux prendre, Katia, attention. Oh, t'es sérieux, tu connais pas mon dessert? Ta gueule, t'as pas à dire. Vas-y, bien sûr que je sais, mais je pense au sien. Vas-y, et dis la tartelette à la fraise. Dégage. Les fraises au sucre. Mais les fraises au sucre. Ouais, les tartelettes. Tartelettes, mais je mange juste. Mais Katia, je mange juste les fraises, je mange pas la tarte. Bah déjà, moi je pense que c'était le pudding aux œufs. Moi j'étais vachement précise, hein, avec le petit chinois et tout. On est d'accord. Là, je pense que tu t'es pas. Quand ta copine pas là, elle vient te fumer à 7-6. Hein. Ouais, mais c'est pas grave, c'est pas fini. Quelle est ma star? Quelle est la star que je trouve la plus belle? Scarlett Johansson. Scarlett Johansson. Ouais. Katia, tu peux encore remonter. Il reste 3 questions. Mesdemoiselles, enfin mesdames, bientôt madame, quelle est selon vous? Mais vas-y, active ta question. C'est pour Nico, c'est mais de ouf, j'adore. Là, ce que en je plus, fais, j'adore. On fait que parler de lui. Mais de ouf. Quel est le premier livre que j'ai lu? Tu connaissais pas la réponse. Marc Lévy, je sais pas. Non, en fait, je sais pas. Quel est le premier livre que j'ai lu? Mais vas-y, vous m'enlevez Babar, le truc avec l'éléphant. Vas-y, le premier vrai livre que j'ai lu. Toi, le problème, c'est que t'as buzzé, mais du coup, tu connaissais pas la réponse. Bah si, mais je t'as buzzé pour buzzer. Ah si, le truc là de Stephen King, Charlie. Ah non, c'est faux. Ben, je l'avais, mais je viens de perdre le titre. Et je pense aussi à Marc Lévy. Dis-lui l'histoire si tu la connais. Il est adapté au cinéma, t'as une grosse déception et elle est blonde. Allez. Et si c'était vrai, non, ou pas, c'était ça. T'as même une grosse chance. Je le connais bien parce qu'on vit pas ensemble depuis 10 ans. Ouais, mais si tu te poses des questions quand il avait 16 ans. De toute façon, j'en avais 11. Hein. Alors, quel est. Mesdemoiselles, on se concentre. Oui. Quel était mon premier téléphone?
Un Nokia 3310. Mais je trouve ça, merde. Mais attends, il en reste encore. On était à 8-7. Ben oui. Maintenant, on est à 7-9. Oh putain. Ouais, du coup, là, il reste. Eh, y a pas de question bonus. Genre, tu gagnes celle-là, t'as tout gagné. J'ai perdu. Tu pars à 9. Voilà, c'est ça. Non, mais quand même, j'étais quand même redoutable. Non, mais j'ai été redoutable. J'ai un peu les nerfs parce que bon, moi j'ai cru. Question, mesdemoiselles, à deux points. Question simple, rapide, efficace. Mais attention là, c'est une question de rapidité. Vous êtes prêtes? Oui. Quelle est ma boisson préférée? Attention, c'était qui en premier, maman? C'est qui en premier? Je crois que c'était moi. C'est moi. Je crois que c'était moi. Donc on va faire un truc. Papier, caille, ciseaux en trois manches. Pas de puits, de bazooka, de je sais pas quoi, on n'invente pas. Papier, caille ou ciseaux? Papier, caille ou ciseaux? Papier, un point pour Katia. Papier, caille ou ciseaux? Deux points pour Katia, tu es en train de faire fumer. Papier, caille ou ciseaux? Papier, caille ou ciseaux? ça... Allez, deux... ça compte 2-1. Allez, 2-1. Papier, caillou, ciseaux. Hop là, boisson préférée. Ouais. Égalisation de Katia. On est passé à 9-9. Écoutez bien, test de rapidité. Quel est mon acteur préféré? McConaughey. Il a une élégance, il a une classe, mec. Et un étordu parfois. Ouais, mais c'est pas, il est pas forcément bobo, hein, mais il a une prestance. Et il vient de faire gagner 2 points. Katia passe à 12-9. Alors attention, hein. Troisième question. Elle est un peu plus compliquée, mais j'en ai parlé aux deux. Elle vaut combien de points? Elle en vaut 4. Quelle est. Oh, pardon, pardon. C'est stress. Quelle est donc la chanson de mon enfance? Roméo et Juliette. Aimé. C'est cette réponse. Ah vas-y, moi je vais te lancer le buzzer, ça va commencer à me vénérer. Mais Katia a 16-9. Dans tous les cas, je pas gagné. Donc c'est pour ça que là on va faire celui qui répond à cette question juste parce que franchement elle est pas facile. Ouais, il alors gagne. Ce qu'on peut dire, effectivement, ce qu'on peut dire, c'est que la première étape t'as gagné, la deuxième j'ai gagné, et là la troisième étape est décisive. Ouais, quand tu vas voir la vidéo, tu verras son seum là sur le visage. Celui qui répond bien à cette question a gagné la mancelle. Bon, vous avez compris ce que je voulais dire. Attention, ça veut un peu dire que la personne qui gagne me connaît mieux. Non, vas-y. Donc soit je perds ma soeur, soit je perds ma fiancée, hein. Quel est mon rappeur préféré? Booba. Faux, Katia. J'ai dit que c'était pas facile. Pas sûr, mais il a un truc là. La Fouine. Oh putain. Et la réponse est la Fouine. Vas-y. Ah, mais Clara, Clara revient. Clara, on prend une partie 2, on prend une revanche. Viens là. Viens là. C'est malin, c'est la victoire. Bon, ouais, Clara, merci d'avoir participé. Ah, moi j'étais encore là. Faut serrer la main, faut serrer la main, Clara. Ok, bon, ouais, non, Katia. Non, mais t'étais redoutable. Bien joué, bien joué. La Booba, c'est pas Booba. Booba, j'aime. La fille m'a plus marqué. Ouais, je suis allé voir son concert et tout. Ah, t'es un pointeur comme ça. Elle dit un pointeur, un pédophile. Elle est en train de me traiter de pédophile sur YouTube. Ah, vas-y, viens pour faire la vidéo. Bon. Ok, bon, en tout cas, on sait. Katia, cacheuse. Meilleure sœur du monde. C'est... Bon, bah, Katia, félicitations encore. Merci beaucoup. Eh, ben, de rien. Clara, allez. C'est pas grave, on va en discuter à la maison. Du coup, je vous dis à la semaine prochaine. J'espère que ça vous a plu. Okay. Ça y est. À la prochaine, ciao. Attendez, attends, reviens ici. Reviens ici, toi, Loum.